Des essayages pendant une vente de fin de collection et une clientèle qui répond une fois de plus présente. Si aujourd'hui l'entreprise chauvinoise se porte bien, c'est avant tout grâce à la qualité des produits. Là-dessus, les avis semblent unanimes. C'est français, c'est local, c'est surtout ça. C'est qualité ? Qualité, oui. Et quand on a goûté à leurs produits, on ne va pas ailleurs. Hein. Voilà. On ne regarde même pas le prix. Enfin, non, on ne regarde pas le prix. On ne regarde pas le prix parce que c'est... Ça dure, oui, c'est durable. Voilà, c'est durable, et puis c'est de la bonne qualité. La seconde raison du succès de l'entreprise est paradoxalement liée au Covid et à la perturbation du trafic aérien pendant plus d'un an. En France, on a une multitude de petites sociétés qui créent leurs collections et qui ne trouvaient plus à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on travaille sur un nombre de pièces incalculable. Et les gens ne pouvant plus voyager se sont retournés sur des petites structures comme la nôtre et qui ont pu leur assurer justement une qualité, le Made in France et le petit quota de pièces qu'elles sont. Depuis deux mois, le plan de redressement appartient au passé et l'avenir semble plus radieux que jamais pour la trentaine de salariés. Illustration avec ce bâtiment flambant neuf qui fait la fierté des dirigeants de l'entreprise. On sera sur une boutique de plein pied avec des horaires, sur une plage horaire de vraie boutique de environ 10h le matin à 19h le soir et de façon à répondre à toutes les attentes des clientes. Pour autant, le succès ne monte pas à la tête des dirigeants de l'entreprise qui assurent qu'Indiscrète restera quoi qu'il arrive une PME familiale. Quant au déstockage, il se termine ce mardi soir.